Salut à tous! Aujourd'hui, je suis à Charmes, sous un ciel magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est ça aussi le Tour de France de l'agro. J'ai rendez-vous chez Puratos avec Didier. Salut Laetitia, bien t'abrité! Quel accueil, classe! Bon, écoute, je suis ravie de venir découvrir ton entreprise. Bah, moi aussi, je suis ravie. Alors, on va aller dans l'atelier? Oui. C'est parti? C'est parti. C'est quoi ton job, Didier? Moi, je suis conducteur de ligne, Roomix. Et tu fais ça depuis combien de temps? 28 ans. 28 ans ouais. Sur la même machine? Non, j'ai commencé en saisonnier, on faisait un peu de la conserverie à l'époque. La conserverie de quoi? Squeeze, Mirabelle, Myrtille. Ah, et après ça a changé de... L'activité a arrêté, après ils sont concentrés sur l'atelier amande. Vous recevez quel produit? On reçoit les amandes, on reçoit des noisettes, des pignons qu'on conditionne à 1 kg, des pistaches qu'on travaille soit pour faire du praliné à l'ancienne, praliné pistache, ou soit de la pistache qu'on conditionne à 1 kg. Et toi, Taline, tu fais quoi? Moi, Valide, on est au mix, on transforme l'amande en poudre, en effilée, on part des crèmes à chaud, crèmes à froid, on fait des frangimix, frangipane, même de la béchamel, ah ouais. Du cookies, du cuir fondant, des macarons. Alors ça, c'est le produit fort de la société. Ouais. C'est tout ce que j'adore. Et après, elle est vendue à qui? Aux artisans boulangers. D'accord, à travers le monde? Oh, ou oui. En France? Non, elle a de l'export aussi. T'as toujours bossé ici? Non, j'ai travaillé à la verrerie de Porcieux, j'étais verrier avant. Ah, génial! Et comment t'as bifurqué vers l'agroalimentaire? Ah, parce que j'avais pas de boulot, et puis un jour, ils cherchaient des saisonniers pour les fruits. J'ai été embauché en 97, ça fait 28 ans que je suis là. Et qu'est-ce que t'aimes le plus ici? Bah, les gens, si j'ai resté là, c'est que je me plais. Quoi. Il y a une bonne ambiance? Ouais, c'est vrai, une bonne ambiance. Donc, comme on travaille en 3-8, on croise tout le monde. Quoi. Ouais, toi, tu fais les 3-8, c'est ton rythme? Oui, c'est mon rythme. Et la nuit, ça va? Oui, ça va. Là, on est côté praliné? Oui, praliné à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne, avec pierre, écrasé à la pierre, et affiné à la pierre. Quoi. Donc ça, c'est de la poudre? La poudre macaron. Extra. Ah, ça sent bon. Hein. C'est le produit qui marche le mieux. Là. Ah ouais, ici? Ah oui, oui. C'est le best-seller? Ouais. Là, on fait des rangs de 7 sacs. On commence toujours comme ça. Quelle qualité il faut pour être un bon conducteur de ligne? Beaucoup de vigilance. C'est bien conscient qu'on est dans un milieu alimentaire, donc c'est beaucoup de vigilance. Ouais, beaucoup de règles à respecter. Voilà, beaucoup de règles à respecter, de sécurité. Je vais la garder. Donc là, c'est l'endroit de stockage? C'est là où les palettes finies sortent. Donc là, c'est ta palette macaron. Amande macaron. Donc là, combien de kilos? 525. 525 kilos. Et après, tout le reste, c'est quoi alors? Tout le reste, c'est le stockage des produits finis et des matières premières. C'est énorme, hein? C'est énorme. Oh, faut pas avoir le vertige. Et c'est quoi ton évolution, toi, chez Puratos? Mon évolution, c'est de former des gens, parce que l'usine s'agrandit de plus en plus. On va avoir un atelier de levain, qui s'appelle Vélina. Une nouvelle ligne, alors? Une nouvelle ligne complète, atelier total. Un nouvel atelier. Pour après vendre... Du levain. Du levain. Naturel. Pour les boulangers, français, alors. Oui. C'est top, ça. Ça ah se oui, développe c'est bien. Top, oui. C'est pour ça qu'il faut recruter. Bon, vous avez entendu, postuler. Hein. Ah oui, il faut postuler. Pour bosser avec Didier qui vous oui. forme. Chocolat, même si ici on fait du praliné, mais j'aime mieux le chocolat. Tradition. Amande, c'est meilleur pour la santé. Boulangerie, parce que bientôt on va faire notre levain. Tu m'emmènes où, là, Didier? Au laboratoire. Au laboratoire? Au laboratoire où sont testées toutes les tournées qu'on fabrique. Ah, dès que tu fais une tournée? Dès que tu fais une tournée, elle est contrôlée. Elle est contrôlée? Et pour être sûr que vous fournissez un produit de qualité, donc là, c'est le macaron qu'on pourrait retrouver chez un de vos clients, quoi. Oui. Merci beaucoup, Didier, de m'avoir présenté ton quotidien. Merci à toi. Si vous avez envie de découvrir le métier de conducteur de ligne, eh bien, n'hésitez pas à postuler chez Puratos. L'agroalimentaire recrute partout en France. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. On fait chine avec un macaron? Allez, on peut pas partir sans goûter. Hein. Voilà. Chin-chin, Didier. Chin-chin. Ciao. Ciao.